Bonjour, l'ère du numérique se développe de plus en plus et le secteur de l'agriculture, bien évidemment, n'y échappe pas. Et aujourd'hui, de nombreuses innovations sont proposées, notamment par des startups comme Nayo Technology, qui développent des robots pour l'agriculture et notamment le secteur du maraîchage, mais d'autres startups, par exemple EcoRobotics. Dans cette vidéo, je vais vous faire partager mon expérience avec les différents robots qu'on a pu tester au sein de Arvalis. Depuis 3 ans maintenant, Arvalis a créé un projet qui s'appelle les Digifermes. Et l'idée derrière ce projet, c'est d'évaluer finalement des nouvelles technologies qui sont mises en place sur le marché de manière à informer le monde agricole sur ce que valent finalement ces nouvelles technologies. Vous pouvez voir ici le robot Dino qui est développé par la société Nayo Technology. C'est une société, une start-up française qui développe de la robotique, notamment pour le secteur du maraîchage. Et ce robot Dino est un robot autonome au niveau de son guidage, puisqu'il dispose d'une balise GPS, et il est guidé grâce à une cartographie qu'on a créée au moment du semis. Il dispose également de caméras qui lui permettent de guider précisément la barre d'outils latéralement dans l'interrand. C'est un robot qui est 100% électrique, qui a une autonomie d'environ 4 heures et qui a un temps de recharge à peu près équivalent. Donc c'est un robot qu'on a chez nous, Arvalis, évalué sur grande culture, hein, puisqu'il a été conçu essentiellement pour du maraîchage. Et l'objectif, c'était de voir si ce type de machine était adaptable finalement à un système en grande culture. C'est pour cela qu'on a évalué cette machine sur des céréales, notamment du blé et de l'orge de printemps. Et l'idée, c'était de vraiment jouer sur la fréquence de passage en réalisant un passage par semaine et de voir si ce genre de machine, qui a un poids plutôt faible, pouvait ouvrir à des créneaux de désherbage mécanique plus importants par rapport à un tracteur et un outil. On l'a également testé sur des cultures à plus fort écartement, notamment du tournesol, mais sur des types de sols un petit peu plus argilo-calcaires, très superficiels, avec des terres à cailloux. Et là, le problème vient vraiment de la machine qui manque un petit peu de motricité sur ce type de sol. Mais sinon, sur un type de sol comme celui-ci, le binage se fait relativement facilement. Donc bien évidemment que ce robot-là n'est pas adapté entre guillemets à un système grande culture pour faire des grandes surfaces étant donné son faible débit de chantier, mais il est tout à fait un bon candidat pour du travail en maraîchage. EcoRobotics, c'est un robot qui dispose de panneaux solaires, donc il est totalement autonome en énergie et c'est en fait un robot qui dispose de 2 bras robotisés et qui vont, grâce à ses caméras, positionner ses bras directement sur la mauvaise herbe de manière à appliquer une micro-dose d'herbicide sur la mauvaise herbe et non sur la culture. Alors, le robot EcoRobotics, nous l'avons testé sur l'année 2017 et l'objectif, c'était vraiment d'évaluer l'efficacité du robot lors de son désherbage dans la reconnaissance des mauvaises herbes dans une culture de betterave. Nous trouvons la technologie qu'a envie de développer finalement EcoRobotics dans la reconnaissance des mauvaises herbes par rapport à la culture qui est mise en place. C'est une technologie qui est réellement ambitieuse et qui demande encore beaucoup de travail, puisque le plus gros travail à réaliser finalement, c'est de créer une banque d'images où on puisse observer des mauvaises herbes en culture avec des stades très différents. C'est de faire apprendre à la machine justement. C'est d'avoir un nombre de cas de figure très différents, des situations très différentes, notamment par rapport au stade de la culture, le stade des mauvaises herbes, mais aussi la luminosité qui peut varier. Ça va nécessiter encore, je pense, de mon avis personnel, quelques années encore pour avoir quelque chose de très solide et d'avoir une machine qui est totalement autonome au champ.